Savoie. C'est le 51 de Michel Fagnan. Sur la quatrième ligne, le valide 07 d'Éric Léveillé. Et le 11 B de David Bourgeois. Cinquième ligne, le 56, Yann Larrivé. Et le 22 du vétéran, le patriarche, René Clair. Sixième ligne, le 20, Frédéric Gamache. Et le 115, Stéphane Lemire. Septième ligne, le 45 de Kevin Brocage. Et le 75 de Sébastien Benoît. Par la suite, le 9 de Daniel Messier. Et le valet numéro 39. Messieurs, pour l'interprétation de l'hymne national, avec grand plaisir, allons rejoindre Madame Julie Bourin.
Now you've been born.
prochain passage. On va surveiller la voiture de tête. On indique que oui. Qui semble s'arrêter. Le 71 qui va aller dans l'aiguille, Martin Larose. Un autre, ça va dans l'aiguille également. Refonctionner maintenant et lui-même va certainement regagner les puits. Le bolide qui s'est comme arrêté, l'allumage. Et il reste en piste. On va lui indiquer l'arrière du peloton. Et je pas vrai descendre sur la piste. Le signaler en chef. Le 45 va aller à l'arrière du peloton, nous apprenons depuis la tour, à nos côtés, avec le directeur de course, M. Francis Padvin. Le 45 va s'arrêter, attendre. Et il va partir de l'arrière. Donc vérifions, on veut savoir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi on a dû lui donner le jaune. On lui indique de repartir à l'arrière du peloton. Le prochain passage de course officiel,
le verre va tenir. Start on that.
saut. Gagnant de cette finale sportsman, il a proposé de le faire. Centre de Pékin. Le numéro 1 du Pékin au centre du Québec. Et installé à Saint-Thierry, le Wendover. Et notre mascotte, Gasoline, va remettre en côtoyer avec CJDMFM des frisbees. On va tirer dans la foule, surveillez bien par les gars de Parker. On va vous lancer le troisième étoile en quatre finales. Et dans quelques instants, il sera rencontré par notre ami Brown Mulligan et Michel Dussault et la mission de la Fête la Pige pour le moitié-moitié. Et par la suite avec Gasoline, on aura le tirage du moitié-moitié et aussi les représentants de la troisième de Saint-Julien-Bertin qui va lancer dans la foule. Ce soir de gagner la plus modeste et Brian Mulligan va lui parler avec plaisir. Merci beaucoup, Pedro. Et on va commencer, Michel, pour figer le bien gagnant, moitié-moitié, d'une valeur de $885. Le numéro 48, 338. 4, 8, 3, 3, 8, rouge. Michel, dans la première demi de la course, ça paraissait facile, mais dans la deuxième demi, il y a eu un peu plus de compétition de Frédéric Amat. Oui, il y a la main. Il s'est bien essayé. C'est sûr que c'est moi qui avais l'avantage à l'intérieur. Il y a une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est en sortant de la carte, je ne sais pas si lui, il s'est pointé en temps au bois, puis ça l'a accroché un peu. Non, c'est une belle course, un bel moment. Oui, même à un point, au 19e tour, il a même présenté son nez en avant, de décider de garder ta ligne. Oui, j'avais décidé qu'elle restait à moi, celle-là, puis je suis venu à vous. Hein, 3 sur 4, certainement un beau départ de saison. Oui, c'est un beau départ de saison. Félicitations, Michel. Merci beaucoup.